Il ne reste que le problème de la maison à régler. 560 mètres carrés habitables sur Sunset Boulevard dans Beverly Hills. Je la lui laisse. Monsieur le Président, ma cliente ne souhaite pas revendiquer cette propriété. Merci, maître. Oui, mais j'ai envie qu'elle la garde. Je vais m'en passer, Sam. J'ai tout refait dans cette maison pour que tu y vives. Si tu as fait ces travaux, c'est pour qu'on y vive tous les deux. J'ai un peu de mal à te suivre. Je n'ai pas le droit de donner à ma femme la maison de ses rêves. Ex-femme. Ce n'est plus toi qui décideras à ma place à présent. Je ne veux pas qu'on se dispute encore. Je veux seulement qu'elle la garde. Les travaux ne sont pas terminés. Ça, je peux m'en charger. Légalement, il revient à votre client la moitié de la propriété. Je ne veux pas la vendre à un parfait inconnu. Je veux que ce soit elle qui l'ait. Très bien. Cette maison vous revient. Faites-en ce qu'il vous plaira. Vous avez préparé les actes ? Alors, comment tu te sens? Bien, je crois. C'est écrit là. Je suis assez contente de la façon dont ça s'est déroulé. Bon, pour la pension alimentaire, on pouvait avoir plus. Tu es consciente qu'il t'aurait donné la lune si tu lui avais demandé au moins? Tu sais, du moment que tout est terminé, Julie. Ça me suffit. C'est bon. Oui? Mm-hmm. Je te rejoins. Ça marche. Julie, je tenais à ce que tu saches que tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Je le suis. Eh oui. Pour la première fois depuis très longtemps, il n'y a plus personne pour me dire ce que je dois faire, comment dépenser mon argent et ce que j'ai le droit de manger. Après tout ce temps, je peux enfin prendre une décision toute seule. Et si tu veux tout savoir, c'est fantastique. Ah, au fait, c'est gentil pour la maison. J'aurai une pensée pour toi quand je la vendrai. Tu ne comprends pas à quel point j'étais fait pour toi. À quel point j'ai fait en sorte de tout te donner et de te protéger. Oui, mais il y avait juste un souci. C'était de toi que je voulais me défendre. Ne dis pas ça, je t'aime plus que tout. Ça n'a plus d'importance puisque tu as ton nouveau job qui t'attend à Chicago et moi j'ai ma nouvelle vie ici. Alors au moins laisse-moi te trouver quelqu'un pour finir les travaux. Que tu le crois ou non, je suis parfaitement capable de faire pas mal de choses toute seule. Non, je retire ça. Je suis capable de faire absolument tout ce que je veux, toute seule. Après tout ce que j'ai fait dans cette maison, je t'en prie, ne la vends pas. Au revoir, Sam. Enfin, Julie, Julie, je t'en prie. On se reverra. J'ai parlé de ta maison à mon amie qui travaille dans une agence. Qu'est-ce qu'elle a dit? La bonne nouvelle, c'est que ce genre de propriété dans ce coin de Beverly Hills, ça vaut dans les 4 ou 5 millions. J'ai l'impression qu'il va forcément y avoir un mec quelque part. Mais il faut terminer les travaux. Oh, c'est ce que je craignais. Eh oui. De toute façon, tu vas devoir attendre que le contexte immobilier redécolle si tu veux vendre à un prix qui soit intéressant. Donc tu devrais faire les travaux et patienter un peu. Je veux pas avoir l'air de me plaindre, c'est une maison magnifique et j'y suis très bien seulement. Elle me rappelle une période de ma vie sur laquelle je cherche à tirer un trait. Oui, je sais bien. Mais pense au bon côté. Dans 6 mois, voire 1 an, tu devrais pouvoir te payer n'importe quelle maison qui te fera envie. Et puis qui sait, tu pourrais même finir par t'y plaire et vouloir y rester après tout. Ça, je crois pas. Ça y est, tout est dans le camion. C'est gentil. Le bureau d'architecte, j'en fais quoi? Donnez-le à un brocanteur. Entendu. Je vous remercie. De rien. Vous croyez l'avoir jetée, celle-là ?
Et celui-ci, je vous le mets où? Dans la cuisine, s'il vous plaît. Ah. Soyons clairs. Je suis à la fois ton avocate et ta meilleure amie, alors tu vas m'écouter. Il est hors de question que tu vendes cette baraque. Tu ne crois pas que c'est un petit peu trop la frime? Ah, ça c'est sûr. C'est une maison qui en impose, mais c'est pas un mal. Allez, viens. Je vais te faire faire le tour du propriétaire. Allons-y. Et là, c'est la chambre principale. Ça ressemble plus à une suite, vu la taille. Il y a un très grand spa, un bain hydromassant, et le carrelage et la douche ont été faits sur mesure. Et chacun a son coin lavabo, c'est romantique. C'est pas le mot que j'aurais choisi. Ah, excuse-moi, j'ai pas réfléchi à ce que je disais. Ça désolée. Va, allez, viens. Ça devrait suffire pour ranger tes chaussures. Ouais, question rangement, on peut dire qu'il y a tout ce qu'il faut. Je suis jalouse. Vraiment jalouse. Ça doit venir des câbles. T'en sais plus que moi, je suis jamais entrée là-dedans. Ah, c'est vrai, tu es claustrophobe. Ça n'a rien à voir avec la claustrophobie, c'est juste que... j'aime pas trop être à l'étroit. Ah, et tu sais comment ça s'appelle? La claustrophobie. Trop marrante. Allez hop, je mets ça sur ma super liste. Interrupteur du placard cassé. Et voilà, maintenant, laisse-moi te montrer la cuisine. C'est vraiment sympa que tu sois venue, Allison. J'allais pas te laisser emménager toute seule. Et ça va toujours au magazine? À vrai dire, j'ai décidé de faire un break. C'est vrai? Oui. Tu comprends. Après tout ce qui s'est passé avec Sam, j'avais un peu envie de prendre du temps rien que pour moi. Surtout que j'ai dans l'idée de me remettre à peindre. Tu as raison. Je lève mon verre au renouveau, à de nouvelles aventures. Et au changement. Tu veux vraiment pas que je reste cette nuit? Oh, faut pas exagérer. Je te rappelle que ça fait quand même 6 mois que je vis toute seule. Très bien. Et puis, y a pas d'eau chaude. Ah bon? Ouais, le gaz a pas encore été mis. Oh. Bon, si t'as envie de parler, t'hésites surtout pas à m'appeler, d'accord? Ouais, allez, bisous. Salut, ma chérie. Oh, c'est pas vrai. Porte de derrière, serrure. Tu as encore bu du jus de fruits au lit. Combien de fois est-ce que je vais devoir te le répéter? Je te trouve répugnante. T'as intérêt à nettoyer ça.
Oui, allô? Ah, ma contributrice freelance préférée. Alors, j'attends toujours mon invitation à ta pendaison de crémaillère. Laisse-moi déjà le temps de trouver mes marques avant d'appeler le traiteur. C'est qu'un prétexte pour t'avoir en ligne. Est-ce que tu reviens bientôt au magazine? Et mon repos sabbatique, alors? Ah oui. Et ça se passe bien? Ça se passe... super bien. Ah. Tu peux passer lundi matin, il y a un truc dont je voudrais te parler. Rick, pourquoi tu ne demandes pas à l'un de tes correcteurs du magazine le sens du mot sabbatique? Je commence à te manquer, admets-le. S'il te plaît. Toi, tu me manques. Ok, je t'accorde une heure, montre en main. T'es content? Génial, une heure, c'est parfait. À lundi, alors. Gaz. Y a quelqu'un? Oh, oh! Il me faut une signature. Y a quelqu'un? Y a rien. C'est bizarre. C'est peut-être un robinet qui est fermé. J'espère que c'est pas des rats. Désolée, j'avais regardé, mais je vous ai pas vu. Vous n'avez rien? Non, ça va, je vais bien. Je vous assure. Je m'appelle Julie Holt. Je vais vous donner les références de mon assurance. Tyler Jordan. Enchantée. Dites, j'ai pas besoin de ça. Vous en êtes sûr? Oui, vous en faites pas. Je suis indemne. J'ai rien. Si vous le dites. Julie Holt, j'ai déjà vu ce nom, mais je sais plus où. Allez savoir. Oh, vous écrivez. C'est vous l'auteur de... d'un livre qui s'appelle « 100 peintres d'exception ». 101, pour être exact. Oui. Vous avez lu ce livre? Oui, enfin, je l'ai feuilleté. Ah, en fait, ce que j'écris, c'est surtout des articles dans des périodiques. Moi aussi, j'écris. Ah oui? Non. Je fais des chantiers. C'est vrai? Vous travaillez dans le bâtiment? Oui. Pourquoi? Quelqu'un aurait besoin d'un coup de main? En réalité, c'est moi qui aurais besoin qu'on m'aide. D'accord. Oui, mon ex-mari avait commencé des travaux là où je viens d'emménager. Et vous avez divorcé avant qu'il ait pu les finir? Ouais, c'est le coup classique. Attendez voir.
J'ai un ravalement que je dois finir à Culver City, 2-3 bricoles que j'ai prévu de faire demain, et après ça, je peux passer chez vous. Disons, vers 3 heures. C'est d'accord. Ça vous va? Bah, c'est super. Tenez. Parfait. Je passe demain. À demain. Et excusez-moi encore de vous avoir percuté. Vous en faites pas. Rien n'arrive jamais par hasard. Peut-être bien. Je suis désolée. Tout va bien? Ça va. Je suis descendue. J'avais cru avoir entendu quelque chose en bas. Et qu'est-ce que c'était? Le chauffe-eau. Mais j'ai fait ce qu'il fallait. Tant mieux. On avait bien dit 3 heures. Oui, il faut croire que j'ai pas vu passer l'heure. Ah, c'est pas grave. Bon, on s'y met? Oui. Comment êtes-vous entrée? La porte d'entrée était grande ouverte. Oh, ça va de soi. Je commence par ça? Absolument. Je suis passé devant la maison il y a quelques mois, j'ai vu un type qui bossait. Ça devait être votre mari? Mon ex-mari, plutôt. C'est bizarre, d'ailleurs. C'est la maison dans laquelle on devait vivre tous les deux. Finalement, vous y vivez seul et tous ces souvenirs, ça vous pèse un peu. Vous avez des dons de voyant. J'ai vécu la même chose. J'ai épousé ma copine du lycée, j'y croyais à fond. Et à 25 ans, j'étais déjà divorcée. Vous avez une liste des choses dont je dois m'occuper? Oh, elle est longue comme le bras. Je vous montre? Oui, je vous suis. Je vois. On dirait que l'installation électrique n'est pas finie. Je veux sortir! Je me demande pourquoi. C'est bizarre. Et du coup, dans l'hypothèse où vous feriez tout ce qu'il y a sur la liste, à combien je peux m'en tirer? Disons que tout ce qui est poignée de porte, plainte et placard, c'est que du superficiel, ça va pas chercher bien loin. Par contre, pour la plomberie, les parquets, les carrelages, ça prendra plus de temps. Et ça fera combien? Avec 3 semaines de main-d'œuvre et les matériaux, il devrait y en avoir pour 45 ou 50 000. 50 000? Mais je devrais vérifier les cloisons et quelques petites choses avant de m'engager sur ce chiffre. Je vais y réfléchir. Ça fait une sacrée somme. Je sais, voilà ce que je vous propose.
Je reviens avec un devis entièrement détaillé, on met tout à plat et on trouvera bien une solution qui vous convienne. Marché conclu? Marché conclu. Bien. Il me reste qu'à vous poser la question la plus importante. C'est-à-dire? Vous aimez les chiens? Je vous demande pardon. Les chiens? Ils vous gênent pas? J'ai rien contre. Tant mieux, Barney aime bien me tenir compagnie au travail. Barney sera reçu à bras ouverts. Parfait. Alors on se voit demain à la première heure. Allô? Allô? Allô, qui est-ce? Bonsoir, Julie. Sam? Ça se passe bien avec les travaux? Ça va. D'ailleurs, je viens de trouver quelqu'un pour les terminer. Vraiment? Et c'est qui? Non, Sam. Je tiens seulement à ce que tu ne te fasses pas arnaquer. Les escrocs ne manquent pas, tu sais. Donne-moi au moins son nom, je vérifierai s'il est sérieux. Tu devrais pas plutôt être en train de penser à ton installation à Chicago. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, tout va bien. Est-ce qu'au moins, il a une licence? Est-ce que t'entends ce que je te dis? Laisse-moi. Très bien. C'est d'accord. Tout se passe très bien de mon côté. On a enfin le permis, on pose la première pierre la semaine prochaine. En fait, je voulais savoir comment tu allais. Bon, écoute, au moment où tu as appelé, j'étais en train de me préparer à dîner. Tu me manques, Julie. Je veux seulement m'assurer que tu vas bien. Sam. Je te manque pas. Même un peu. Écoute, peut-être qu'on arrivera à être amis un jour. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'être un peu seule. Tu comprends? Ok. Je te promets de te tenir au courant pour les travaux. D'accord. Au revoir. Je sais à quel point tu aimes avoir ta liberté. En fait, c'est pas seulement une question de liberté. En tout cas, j'ai un magazine à faire tourner. Et quand je me demande auquel de mes contributeurs j'ai envie de donner des responsabilités éditoriales, c'est toi que j'ai en tête. Je suis très honorée. Et puis tu auras tout ce que tu n'avais pas en freelance. Temps plein, prime, bonus, la totale. J'ai adoré travailler au sein de ce magazine et accéder à un poste d'éditrice, c'est pas rien, mais ça ne vient pas au bon moment. Après l'enfer de ces derniers mois, j'ai besoin de sentir que je peux créer quelque chose. C'est ça qui m'a attirée vers le monde de l'art au départ. Je voulais pas juste en parler, je voulais en faire. Je n'insiste pas. Si c'est ce que tu veux. Mais quand tu auras trouvé ce que tu cherches, n'oublie pas. Tu seras toujours à ta place ici. C'est extrêmement généreux de ta part. Je vais y réfléchir. Est-ce qu'au moins je peux t'inviter à dîner ce soir? Ce sera avec plaisir, mais j'ai trop à faire en ce moment. Je vois. Bon, tu as un mois pour réfléchir à mon offre. Compris. Mais je ne te promets rien. Excusez-moi, j'ai lu votre article dans le dernier numéro sur l'exposition à l'université. C'était l'expo des étudiants en arts plastiques. Oui, voilà. Vous avez évoqué mon travail.
mais pas en termes élogieux. Je regrette. Je vois. Mais j'ai commenté le travail de beaucoup de gens. Vous avez été sévère. Peut-être, mais quand on livre ses œuvres au regard de la critique, il faut s'attendre à ne pas récolter que des compliments. Personne ne reçoit que des louanges. Merci du conseil. Je m'en souviendrai la prochaine fois que je me livrerai. Tant mieux. Pour votre prochaine expo, ce sera peut-être bénéfique. Espérons-le. Bon courage. Lui, c'est un nouveau stagiaire. C'est vrai? Oui, il s'est présenté ici il y a une semaine environ en proposant de travailler gratuitement. Il te cherche des ennuis? Je peux le dire à Rick. Oh non, c'est inutile. Vraiment. Bon, je suis contente de t'avoir vu, Chris. Oui, moi aussi. Bye. Magazine d'art de Beverly Hills. Oui, allô? Salut, toi. Je t'appelle pour parler un peu. J'ai passé la journée enfermée dans mon bureau et là, j'ai une sérieuse envie de vivre par procuration. Eh bien, Rick m'a demandé de venir au magazine. Alors? Alors? Il voudrait me réembaucher à temps plein en tant qu'éditrice. Énorme, je suis super contente pour toi. T'emballe pas trop vite. J'ai dit que j'y réfléchirais. Quel est le problème? Oh, je sais pas. Je trouve que Rick me tourne un peu trop autour depuis le divorce. Peut-être que tu devrais mettre un peu de distance entre vous. Mais tu devrais accepter le job. Je vais voir. Et avec la maison? Ça va mieux. J'ai engagé quelqu'un pour avancer dans les travaux. Agréable à l'œil. Allison. Comment il s'appelle? Où tu l'as rencontré? Il s'appelle Tyler et j'avais fini de faire mes courses et j'ai failli le renverser en faisant marche arrière. Je vois. Tu as donc proposé à un parfait inconnu que tu as failli renverser en voiture de venir faire du bricolage dans ta maison. Exact. Je suis sûre que c'est un beau gosse. Dis-le au moins. T'as de la chance qu'il t'en veuille pas. Il commence quand? Aujourd'hui. Alors j'attends de toi un compte-rendu complet ce soir. Ou mieux encore, demain matin. Tu es incorrigible. Allez, tu feras mieux de bosser. À plus. Salut. Alors, ce rendez-vous? Ça a été. Je suis contente. Je n'ai rien à redire sur le travail que vous avez effectué jusqu'ici dans ma maison, mais pourriez-vous faire un peu plus attention? De quoi est-ce que vous parlez? Je viens de voir des pots de fleurs brisés sur les marches de devant. Je ne suis pas passé par devant aujourd'hui. Pourtant, c'est d'aujourd'hui. Ces fleurs, je les ai mises dehors hier seulement. Barney, c'est toi qui as renversé les fleurs de la dame? Alors, hein? Bon, écoutez, si vous voulez, on le passe au détecteur de mensonges, mais je pense qu'il cache rien du tout. Il est très mignon. Ouais, et blague à part, je sais pas ce qui est arrivé à vos fleurs, mais je ferai attention quand même. Oui, merci. Je serai en train de travailler dans mon atelier si vous me cherchez. Très bien, compris. Désolé, je suis seulement venu boire de l'eau. J'ai peur. Excusez-moi, le chef-d'œuvre prend forme? En fait, je viens de me lancer. Hein? C'est sûr, il faut du temps pour que l'inspiration arrive.
Oui. Moi, si je suis bloqué ou que je trouve pas d'idée, je mets du Mozart. Mozart? Ouais, j'écoute du classique. Ça aide à être plus créatif, c'est prouvé scientifiquement. Je croyais que c'était pour l'éveil des bébés. Aussi, mais on n'en est pas encore là. Courage. Claustrophobe, moi? Je ne suis pas du tout claustrophobe. Je ne veux pas rester là. Peut-être que si, en fait. C'est quoi ça? Vous avez réparé l'interrupteur et vous avez pas vu qu'il y avait ça? Si, je l'ai vu. Mais comme c'était pas sur la liste, je me suis pas attardé dessus. C'est logique. Et qu'est-ce que c'est? C'est pour accéder à la charpente du toit. J'ai un grenier? Mais sûrement pas habitable, c'est plus... un vide sanitaire sous la toiture. Vous avez les plans de la maison? Ils sont jamais sortis du bureau de Sam. Vous auriez dû les récupérer avec le titre de propriété. Je peux toujours déceler la trappe d'accès. C'est pas bien compliqué. D'accord. Faites ça. Très bien. Je vais faire ça à la perceuse. Je la porterai demain et... on saura ce qu'il y a là-haut. Oh, au fait... vous avez essayé Mozart? Je vous demande pardon. Pour l'inspiration? Non. J'ai testé avec Chopin. Et ça va mieux? On verra. Parfait. Quelque chose finira bien par vous inspirer. Petit creux. Je vous demande pardon. Vous avez faim? Vous avez passé toute la journée ici. Je me dis que même les drogués du travail finissent par manger. Je ne nie pas qu'il m'arrive de devoir satisfaire ce besoin. Génial. J'ai un resto en tête. On grignote ce qu'on veut et la vue est belle. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire de Barney? Lui, il aime pas les petites portions. Il préfère un bon gros steak. Il s'ennuierait là-bas. Il va plutôt rester garder la maison. Je porte de vieilles godasses de chantier. Je sens mauvais. Et vous, vous êtes barbouillé de peinture. C'est pas un rendez-vous. Si c'est bien ce qui vous tracasse. Au moins, comme ça, les choses sont bien claires. Oui, alors je nettoie la voiture et on y va. Barney, allez, viens. Il est où? Je suis prêt.
D'accord, j'arrive. Vous n'auriez pas vu mon collier? À quoi il ressemble? Il appartenait à ma grand-mère, c'est un petit pendentif en ambre. Je l'ai pas vu, pourquoi? Oh, c'est pas grave, allons-y. Barney, mon chien, tu restes bien sage, hein? On te confie la maison. Allez, à toutes. Alors, quoi de neuf en ce moment? Ah, tout va très bien. En fait, je crois que je suis enfin arrivée à me reprendre en main et à tourner la page. Et quand est-ce que vous comptez reprendre votre ancien boulot? Jamais, qui sait. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens depuis 12 ans que je suis ici. Mais j'en ai pas vu beaucoup qui vivent à ce point dans le présent. Pourquoi vous avez divorcé? Alors, voyons. Vous pouvez me remettre la même chose? Je me suis payé mes études en travaillant le soir et le week-end. J'ai décroché mon diplôme d'art en 3 ans et j'ai trouvé un emploi. La belle vie, quoi. Ensuite, j'ai épousé Sam. Et après? Rien. Enfin, au début. Et puis, l'air de rien, il m'a piégée. Il disait qu'il voulait subvenir à mes besoins, que j'étais pas réellement obligée de travailler, et aussi que c'était qu'une perte de temps, que ça ne servait à rien. Et en un clin d'œil, une carrière que j'avais mis 5 années à bâtir s'est changée en hobby. Il désapprouvait vos choix. Il ne me laissait pas le moindre choix. Sam, il voulait surveiller tous mes faits et gestes. Où je me rendais, les gens que je voyais. Alors je bosse comme un dingue du matin au soir et t'es pas capable de ranger un minimum? Il fallait que je me sente coupable. Coupable d'être moi-même. De ne pas être une épouse modèle. Tout tournait autour de lui. C'est du passé. Ah oui, quand on y pense, cette maison, c'est lui qui voulait que je l'aie. Il a insisté pour que je la garde et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et me revoilà à vivre encore la vie qu'il avait choisie pour moi. C'est qu'une maison, Julie. Mais c'était son projet. Il a tracé les plans et l'a construite de A à Z. J'ai une idée. Imaginons qu'il n'y ait pas la maison et que vous veniez de divorcer. Où vous iriez? Merci. J'irais dans un bel appartement au bord de l'eau. Figurez-vous que j'ai un pied-à-terre sur l'eau. Quand vous avez dit sur l'eau, j'aurais jamais imaginé devoir prendre ça au pied de la lettre. C'est juste là. C'est mon chez-moi. Je peux monter à bord, capitaine? Oui, permission accordée. Merci. Par là. Allez-y, je vous suis. Quel endroit magnifique. Ouais. J'adore ça. La pureté de l'air, le parfum du large. Quand la mer est calme, on peut rejoindre Catalina, ou même San Diego. Je peux pas. Compris. T'en fais pas. C'est rien. La voilà. Alors, ce footing? Intense. T'as pensé à apporter l'outil qu'il te fallait pour ouvrir la trappe? J'ai oublié. Demain sans faute. Désolé. T'as retrouvé le collier?
Non, pas encore. Il peut pas être loin. Je tomberai peut-être dessus à un moment. Peut-être. Je vais aller prendre une douche. Thermostat est au maximum. J'avais réglé la température moi-même pas plus tard qu'hier. Quelqu'un a dû y toucher depuis. Qui ça? Il a très bien pu tomber en panne, ce thermostat. Non, je suis sûre qu'il y a autre chose. Ou alors, c'est ce robinet qui est mal enfoncé. D'accord. Où est-ce qu'il a pu aller se fourrer? C'est ça l'explication. Ça y ressemble en tout cas. Je remets la molette en place et dès demain je la remplacerai par une neuve au cas où. Ça va pas? Si, ça va, je te remercie. Allez, laisse-moi regarder. Je vais pas te faire mal. C'est quand même bien rouge, il faut mettre quelque chose dessus. T'assure, c'est pas la peine. Allez, viens, on va mettre de la pommade. Ça c'est va te faire du bien, rien. Ça apaisera la brûlure. Voilà, ça devrait suffire. Ça soulage un peu? Oui, merci. Barney! C'est mon amie Allison qui est là. Tu vas ouvrir? Oui, bien sûr. Je descends. Merci. Du calme, du calme. Allez, entrez. Je suis désolé. Il aboie beaucoup, mais il n'est pas méchant. Vous êtes... Bonjour. Bonjour. Je suis Tyler. Allison, j'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien, j'espère. Pour l'essentiel. Ah, tant mieux. Alors, vous avez fait connaissance? Oui, comme tu vois. Allison et moi, on va déjeuner entre copines. Super, profitez-en. Moi, je vais m'y remettre. Ça a été un plaisir. Oui, pour moi aussi. Viens, Barney. Allez. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont pas dans la maison. Et c'est pour ça qu'il est là, non? C'est vrai, seulement depuis quelques temps, il se passe des trucs bizarres. Il y a les pots de fleurs cassés, mon collier est introuvable, il y a le chauffe-eau. Tu crois que c'est Tyler qui a volé ton collier? Oh, j'en sais rien, moi, mais il s'est pour ainsi dire volatilisé. Et personne d'autre que lui ne met les pieds chez moi. Tu es sûre que tu serais pas un tout petit peu parano, là? Ouais, si ça se trouve, c'est possible. Inconnu. Tu veux savoir ce que j'en pense? Tu viens de faire la connaissance d'un homme qui te plaît et du coup, tu imagines le pire pour le moindre prétexte. Pas faux. Il est gentil, doué de ses mains, irrésistiblement attirant. Tu pourrais me rendre un service. Je t'écoute. Est-ce que tu pourrais te renseigner sur son passé? Tu voudrais que je demande une enquête sur Tyler? Oui, juste histoire de vérifier qu'il n'y a rien de louche. Si j'accepte, est-ce que tu me promets que tu vas te détendre? Ça marche. Inconnu. Encore? Qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? Attends, excuse-moi. Sam, tu peux me dire ce que tu fais là? Vous avez un problème, mademoiselle? Oh, monsieur, je suis désolée. Je vous ai pris pour ça. Quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Il disait pas qu'il était à Chicago? Il a dit qu'ils avaient signé quand je l'ai eu l'autre soir. Il a dit qu'ils avaient eu le permis et qu'ils posaient la première pierre cette semaine. J'en sais rien, peut-être qu'avec tout ce stress, je me mets à imaginer des choses. À moins que ce soit du sérieux. Peut-être qu'il est ici. T'as pas peur d'être seule cette nuit?
Non, ça va aller. Je peux dormir là. Je m'installe dans la chambre d'amis. Ça va aller, je te remercie. Au moins, laisse Barney veiller sur toi. Il est pas mauvais comme chien de garde. Et moi, je me ferai moins de soucis à ton sujet. Tu as gagné. Il peut rester. Merci. Oui, je le veux. Voulez-vous prendre cet homme pour époux, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Avez-vous vu un intrus à l'intérieur de la maison? Non, pas à proprement parler. J'ai entendu des bruits de pas, et quand je suis entrée dans l'atelier, la porte était ouverte. Et vous êtes certaine de l'avoir bien fermée? J'en suis certaine. La porte-fenêtre était fermée avant que j'aille me coucher. Il se peut que vous ayez cru bien la fermer et qu'elle soit restée ouverte. Non, il y avait un problème avec la serrure et on l'a réparée. Qui l'a fait? Tyler Jordan, l'entrepreneur que j'ai engagé. Il va nous falloir son numéro. Écoutez, il y a une personne qui s'est introduite chez moi. J'en suis certaine. Est-ce que quelque chose a disparu? Non, non, je crois pas. Enfin, à part un collier que j'ai pas retrouvé. Alors? Non, il n'y a aucune trace d'effraction. On emporte ça au cas où il y aurait des empreintes dessus, mais il y a peu de chance. Faudrait que celui qui a fait ça soit demeuré pour en avoir laissé. En attendant, c'est tout ce qu'on a. On vous tient au courant. Ça s'arrête là? Vous allez rien faire d'autre que ça? On a fait un constat. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse de plus? Quelque chose, je sais pas. Quelque chose. Cette maison est immense et vous y vivez seul. Dans l'immédiat, vous pouvez peut-être demander à un ami de vous rejoindre. Je vais essayer. Très bien. Ce serait plus prudent. S'il y avait du nouveau, vous m'appelez. Bon. On s'en va. Bonne nuit, madame. Je travaille pour le compte de la direction des constructions. J'ai sous les yeux votre dernier permis et j'ai quelques questions supplémentaires pour Monsieur Manning. Désirez-vous que je vous mette en relation? Je crois qu'il serait préférable qu'on se voit sur le chantier. Puisque c'est sur South Lecture Drive qu'il travaille, je peux le voir là-bas aujourd'hui? Oui, en principe. Dois-je fixer une heure? Madame? Sam Manning, je vous écoute. Ok. Puis-je parler à Rick Davenport? C'est de la part de Julie Holt. Julie Holt, sur la ligne 1. Julie, comment ça va? Tu veux le poste? Non. L'autre jour, quand je suis passée, j'ai vu un de tes nouveaux stagiaires avec qui j'ai eu un échange assez tendu. Un étudiant, je crois.
Oui, on m'a parlé de ça. Il s'appelle comment? Jim quelque chose. De toute manière, il n'est plus chez nous. Il n'est plus chez vous? Comment ça se fait? J'espère que ça n'a rien à voir avec moi. Tu l'as pas renvoyé? Non, j'ai pas eu besoin. Il est parti l'après-midi même. Ah, d'accord. Je dois te laisser, je pars à Palm Springs pour quelques jours. Une échappée belle au milieu de la semaine. Là, je ne te reconnais plus. J'ai besoin de, disons, prendre un peu de recul pour quelques jours, c'est tout. Mon téléphone sera allumé si tu veux me joindre. C'est d'accord. Amuse-toi bien. Oui, c'est l'idée. Bon, ça y est. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Vous aussi. Clark, détective privé? Monsieur Clark, c'est Allison. Ah oui, je viens de vous laisser un message. Je viens de sortir d'une audience. Vous avez fait les vérifications que j'avais demandées? Oui, je vous ai envoyé un mail. Vous pouvez me confirmer d'ailleurs, vous l'avez bien reçu? Bien sûr, ne quittez pas. C'est bon, je l'ai, je vous remercie. À très bientôt. Parfait, à bientôt. Tyler aurait été mêlé à des fraudes sur le chantier d'un certain Sam Manning. Ça devrait vous aider. Bonjour, c'est Julie. Laissez-moi un message. Salut Julie, c'est moi. Il faut absolument que je te parle d'un truc. Je te fais suivre un email que je voudrais que tu lises. J'essaie de te joindre chez toi. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Julie, je viens de découvrir quelque chose qui ne va pas te plaire. Il faut qu'on en parle, c'est très urgent. Je saute dans ma voiture et j'arrive chez toi. Vous en savez un peu plus pour l'autre soir? Ce n'est pas de ça que je suis venu vous parler. Allez-y. On pourrait entrer? Vous allez peut-être avoir besoin de vous asseoir. On a retrouvé sa voiture à moins d'un kilomètre d'ici, sur un parking désert. Ses trois derniers appels ont été pour vous. Il semble qu'elle ait cherché à venir ici. Qui est-ce qui l'a tué? C'est à vous de me le dire. Vous connaissez quelqu'un qui lui en voulait? Non, personne. Je vous promets que nous allons tout faire pour découvrir qui l'a tué. Mais si vous êtes au courant de quelque chose... Salut, Julie, c'est moi. Il faut absolument que je te parle d'un truc. Je te fais suivre un email que je voudrais que tu lises. J'essaie de te joindre chez toi. Taylor aurait été mêlé à des fraudes sur le chantier d'un certain Sam Manning. C'est Julie. Ça va pas, t'as une petite voix. Allison a été tuée. C'est pas possible, t'en es sûre?
que t'étais hier soir? J'essaie de t'appeler. Je me suis endormie devant la télé. Devant la télé, c'est vrai? Oui, pourquoi? Quelqu'un est entré chez moi cette nuit. Et tu vas bien? Oui, ça va. Heureusement que Barney était là. Tu penses que ça pourrait être Sam? Je le pensais. Avant d'avoir la confirmation qu'il est à 3000 km de Los Angeles. T'es pas en train de m'accuser de... Non. Pas du tout, je disais ça comme ça. Je devrais pas être seule en ce moment. T'as raison. Tu crois que je peux passer? Bien sûr. Évidemment, appelle quand tu arrives, je te retrouve devant l'embarcadère. Ok. À tout de suite. Enquête sur le scandale des pots de vin versés pour l'attribution d'un chantier de construction. Salut. Salut. Ça va? On souhaite vous poser quelques questions. Veuillez nous suivre au poste. Julie, je comprends pas. Vraiment navré. Vous m'arrêtez, c'est ça? Tout dépend de ce que vous nous direz. À quel sujet? Alison Gage, pour commencer. Alice. Julie, tu crois quand même pas que je serais capable de faire un truc pareil? Ça, j'en sais rien. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de choses que j'ignore. Enfin, de quoi est-ce que tu parles? C'est rien du tout, ça, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Il t'a engagé pour me surveiller? Pour entrer dans ma vie? Et pas du tout, je travaille sur des chantiers, c'est mon métier. J'en fais une dizaine par an, et il a même pas travaillé sur celui-là. Il était venu sur le site pour saluer un client. Je l'ai vu ni avant, ni depuis, et je savais pas du tout que c'était ton ex-mari, jusqu'à ce que je voie ta maison. Quand Alison s'est fait tuer, elle s'apprêtait justement à me dire tout ça, c'est bizarre. Monsieur Jordan, nous devrions aller terminer cet échange plus au calme. Venez, on y va. Attendez, Julie, je t'en prie, faut me croire. T'es en train de commettre une grave erreur, j'ai rien fait! Et vous avez trouvé tout ça chez vous? Et encore, il n'y a pas tout, là. Il y en avait dans
dans chaque pièce. Vous savez s'ils étaient branchés sur un émetteur? J'ai rien vu. Et vous savez qui vous espionnait? Non, mais je crois que je peux arriver à deviner. Un type qui me regarde quand je suis en train de dormir, en train de manger, de me doucher. Voici ce qu'on a retrouvé dans la boîte à gants de la voiture de Jordan. C'est le collier qui vous manquait? On est en train de vérifier l'alibi qu'il nous a donné. Il vaut mieux pour lui que ça colle. On va envoyer une équipe de la scientifique chez vous pour chercher vers où les signaux étaient envoyés, mais ce genre de choses ne constitue qu'un délit mineur. On sait même pas si ces caméras fonctionnaient. Et si on retrouve aucun émetteur, j'ai peur... Et un meurtre? C'est un délit mineur, d'après vous? Si ces caméras envoyaient des images quelque part, ça pourrait révéler qui est entré chez vous. Et qui a tué votre ami. D'ici là, je vais placer un agent en faction devant votre maison. À la moindre alerte, vous l'appelez, lui. C'est d'accord? Bonsoir. Bonne nuit. Tu seras là-dedans aussi longtemps qu'il le faudra. Tu me diras quand on aura assez. S'il te plaît. Pitié, je veux pas rester là. Thank you.
sur la messagerie du lieutenant Johansen. Je ne suis pas disponible pour le moment. Laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Et l'agent en faction ? Il ne répond ni sur sa radio, ni sur son téléphone. Il n'est pas rentré. Quoi de neuf ? On a pu vérifier l'alibi de Tyler Jordan. À l'heure où Allison Gage s'est fait tuer, il était en train de faire le plein près de Santa Monica. Et des témoins l'ont vu dans un resto de Marina Del Rey le soir où Julie Holt a dit qu'on était entré chez elle. Pour moi, on peut le relâcher, sauf si vous voulez l'inculper pour le collier trouvé dans sa voiture. Non. Je vais faire un tour devant chez Holt pour savoir pourquoi notre agent est devenu soudainement muet. Il vaut mieux pas qu'il pique un somme. Et pour Jordan ? J'ai comme dans l'idée qu'on devrait le relâcher. Raccompagnez-le chez lui. Très bien. De Sam Manning, bonjour. Oui, je travaille pour le compte de la direction des constructions. Et j'ai quelques questions supplémentaires pour Monsieur Manning. Sam Manning, je vous écoute. Thank you.
Julie ? Tu es là ? Allô, ici les secours, que puis-je faire pour vous ? Tais-toi ! Vite, montez! Restez là-haut. Salut ma puce. Tu m'as manqué. Donne-moi la main. Aide-moi. Ma puce, tu vas pas me laisser comme ça. Non. Je m'aimais vraiment. Je voulais rien faire d'autre que te protéger pour pas que d'autres hommes te fassent du mal. Mais tu le mérites pas. T'es qu'une salope. Je t'en supplie. Julie. Et voilà le danger. Laisse-la tranquille. Je regrette. C'est un problème qui ne regarde que ma femme et moi. Débarquer chez moi et faire du gringue à ma femme. Mais tu vas le lâcher. Sam. Fais pas ça.
ça. Il s'en prendra plus jamais à moi. Non. Non, c'est fini. Bonjour, capitaine. Oh, salut. Alors, t'es bien installé? Oui, j'ai trouvé mes marques et j'ai déballé les derniers cartons, alors c'est officiel, j'ai déménagé. À la bonne heure. Laisse-moi t'aider. Merci. Fais attention. La maison te manque pas? Oh non. J'ai réussi à me consoler avec un appartement de folie en bord de mer. Et puis, je sais qu'en cas de problème, je peux compter sur un voisin qui est très doué de ses mains. Toi, t'en as de la chance. Ça n'a rien à voir avec la chance. C'est pas tout ça. Le temps est magnifique aujourd'hui. On devrait prendre le large en amoureux. Prendre le large? Et t'aurais envie d'aller où? À Catalina, à San Diego, au pont inférieur. Alors, quand est-ce que tu me le montres, ton chef-d'œuvre? Je crois que tu as mal compris le sens de pont inférieur.